Mais un beau risque. Un risque d'entendre et de recevoir. Vous êtes prêts? Vous venez à un moment particulier? Mais oui. Bah, c'est-à-dire que notre artiste est morte. Ah. Oui. Alors évidemment, avant de mourir cette nuit, elle a écrit ce manifeste sur la condition de l'artiste, parce que la condition de l'artiste n'est pas facile. Vous savez déjà, ce n'est pas simple de vivre en tant qu'artiste. Alors, nous avons une possibilité peut-être de la faire revivre si le spectateur que vous êtes se met à donner quelque chose. Parce qu'en fait, l'art et l'artiste se donnent à vous et souvent nous n'avons pas de retour. Et aujourd'hui, pour que peut-être en ce week-end de Pentecôte, l'artiste revive, non pas par des toiles, mais par une prestation unique pour vous, eh bien, nous vous demandons un geste symbolique. 1 euro, 10 euros, 20 euros dans l'urne qui est là. Si j'entends, par hasard ou par non-hasard, le déclenchement de cette petite musique merveilleuse qu'est la pièce qui tombe dans l'urne, vous pourrez vous assister à quelque chose d'unique à votre bon cœur, monsieur, dame. Alizarine. Patience et silence, érectile. Observe l'horizon canicule. Cherche de ses yeux somnambules l'étincelle d'un regard hostile. Souffle coupé son exil, aveugle et traqué, accumule des saccades d'angoisse ridicule, assise et sans vaccine hostile. Lorsque l'on touche, qu'on émascule la force de l'être, son sexe à pile. Thank you.
d'être vu.